Je suis Christine Michel, responsable Europe et internationale pour le département Transform INRAE, et avec mon collègue Guillaume Flamand, qui est chargé d'affaires à la direction des affaires européennes de l'INRAE, la DES Europe, hein, pour les initiés. On va essayer de vous présenter rapidement quelles pourraient être les opportunités pour les technologies spectro-infrarouges et chimiométrie dans le nouveau programme Horizon Europe. Je vais passer média. Alors, deux petites secondes, j'ai un problème technique, je n'arrive pas à passer mes diapos. Avec les flèches, petites flèches ou grosses flèches? Eh bien non, justement. Alors, c'est pas grave, on va continuer. Est-ce que tu veux que je... Ouais, je vais essayer de présenter de ce côté ici. Je crois qu'il... Voilà. Donc, juste pour présenter un peu notre discours, avant de nous plonger dans les arcanes du programme cadre Horizon Europe, on a regardé très rapidement ce qui avait déjà été fait dans les précédents programmes cadre européens. Tu peux aller direct à la deuxième, Guillaume. Alors, est-ce que vous voyez... Ouais, c'est bon. C'est bon, ok. Il faut switcher les paramètres. Ah oui. Oui, ok. C'est ça que. En théorie. C'est bon. C'est bon. Parfait. Ok, c'est bon. Super. Donc, on a fait une très rapide analyse de ce qui avait déjà été financé dans les deux précédents programmes cadres européens, FP7 Horizon 2020. Et en regardant sur le site Cordis, hein, pour citer nos sources, on a trouvé 791 projets de recherche-développement ou recherche-innovation qui utilisaient les technologies spectro-infrarouge ou chimiométrie. Quand on dit projet, il s'agissait soit de projets collaboratifs à quelques millions d'euros, hein, des RIA, des IA, des bourses individuelles Marie Curie, des projets ciblés PME, des infrastructures, enfin tous les types de projets européens, ça, on en retrouve partout. Hein. 60% à peu près, hein, c'est pas très robuste comme chiffre, mais quand même c'est plus de la moitié de ces projets, se situent très clairement dans les secteurs agriculture, alimentation humaine animale et forêt. Après ce gros paquet, j'allais dire thématique, le secteur qui ressort ensuite, c'est tout ce qui est santé humaine et biomédicale, suivi des nanotechnologies. Avec une petite indication, tout de même, les secteurs qui nous concernent, agriculture, food, feed et forêt, sont un peu en baisse au fur et à mesure des années. Donc, ce qu'on peut... tiens, Guillaume, si on peut avoir la suivante. Donc, pour illustrer, sur mon propos, quelques exemples de projets qui ont été financés. Les gâteaux, qui était un projet collaboratif sur tout ce qui était l'agronomie des légumineuses. Inside Food, un autre projet collaboratif FP7 qui portait sur l'analyse de la microstructure des produits alimentaires, en particulier fruits et légumes et pommes, comme exemple. Trees for Future, qui est une infrastructure dans le domaine de la forêt, comme son nom l'indique, et Feed a Gene, qui est dans le domaine de l'élevage et de l'alimentation animale. Ce qu'on peut remarquer, hein, on est passé assez vite, mais si vous voulez vous amuser à faire les recherches, c'est que donc il y a eu quand même énormément de projets qui ont été financés par la Commission européenne sur ces approches. Donc c'est quelque chose qui a donné lieu à des développements industriels très poussés, des innovations technologiques, etc. Donc quelque part, ce sont des approches et des technologies qui sont reconnues par la Commission européenne, et vu ce qui a déjà été investi en termes financiers, hein, sur ces approches, c'est quelque chose qui peut inspirer confiance. Donc, comment se positionner en capitalisant sur ces acquis dans le programme Horizon Europe? C'est ce qu'on va essayer de voir. Et là, je repasse la parole à Guillaume, qui va vous présenter un petit peu ce nouveau programme. Merci Christine. Je ne suis pas tout à fait sûr du niveau d'information que vous avez sur Horizon Europe, mais je vais reprendre les choses
de la base, c'est-à-dire de la vision et des ambitions qui ont pu être déroulées par la Commission européenne depuis 2018 à peu près, quand on entend parler de ce programme, des choses qui se sont construites autour. Donc le premier point qu'on retrouve dans l'aspect vision, c'est la lutte contre le changement climatique. C'est une ambition qui est portée par la Commission européenne de manière vraiment prépondérante depuis la nomination de la commission d'Ursula von der Leyen et le lancement du pacte vert ou Green Deal européen. Donc il est inscrit que 35% des financements de Horizon Europe auront pour cible, in fine, cette question climatique et l'objectif du Green Deal qui, je le rappelle, est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. On retrouve toujours les objectifs du développement durable. C'était déjà quelque chose qui était prépondérant dans Horizon 2020. La compétitivité et la croissance de l'Union également au premier plan. Et je vous expliquerai ensuite un petit peu comment les programmes ont changé pour retrouver ces thématiques. Les ambitions sont également dans la continuité de ce qui se faisait sous Horizon 2020. Le mot d'ordre, c'était une évolution, pas une révolution. Donc, vous allez vraiment retrouver vos repères par rapport à ce qui existait dans les projets européens jusqu'à présent. Renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'UE, structurer et continuer à renforcer cet espace européen de la recherche, ou ERA en anglais, stimuler la capacité d'innovation pour compétitivité et emploi, et ce lien avec les priorités des citoyens et les SHS, les valeurs européennes. Que l'on retrouve également au cœur des ambitions. Ce schéma, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est le schéma de la structure en piliers d'Horizon Europe. Piliers qui changent un petit peu par rapport à ce que l'on avait connu sous Horizon 2020. La priorité principale et l'axe prioritaire pris par la Commission européenne, c'est l'impact et ce renforcement de l'ERA. On retrouve donc trois piliers. Excellence avec le Conseil européen de la recherche, l'ERC, les actions Marie Curie et les infrastructures. Un troisième pilier qui est sur l'Europe innovante avec le Conseil européen de l'innovation, le IT et l'EQUIC. Et ce qui nous intéresse au premier plan, c'est ce pilier 2 qui est problématique mondiale, compétitivité industrielle européenne. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il fusionne deux éléments qui étaient jusqu'à présent séparés, puisqu'on avait les défis sociétaux d'un côté et la compétitivité industrielle, la primauté industrielle de l'autre. Maintenant, ces deux thématiques sont regroupées au sein d'un seul et même pilier où on va retrouver les projets collaboratifs. On va également retrouver ici la principale nouveauté d'Horizon Europe, les missions, qui sont au nombre de 5. Je ne reviens pas vraiment dessus dans cette présentation, mais sachez qu'il y en a une qui est particulièrement dédiée aux questions agro-agri, qui est celle sur santé des sols et alimentation. Et on retrouve également les partenariats. Partenariat qui est un nouvel outil d'Horizon Europe, qui est en fait une rationalisation, si on peut dire, des différents ERANET, EJP et toutes les autres formes de partenariat qui existaient sous Horizon 2020. Tout au long de la vie d'Horizon 2020, les différents outils ERANET, EJP, etc., et on est arrivé à quasiment 200 entités différentes au fil du programme. On repart sous Horizon Europe avec des bases claires et limitées. Il y aura 50 partenariats avec des thématiques certes un peu plus larges, mais une durée de vie sur 7 ans et normalement des appels qui vont se retrouver directement sur le site et au même endroit que les autres, enfin une plus grande lisibilité, des règles plus harmonisées, etc. Voilà pour l'image générale. Les enjeux budgétaires, ils sont toujours importants. Il faut mentionner que le dernier accord, c'est 95,5 millions sur 7 ans. Ça inclut des éléments du plan de relance européen, ça inclut pas mal de choses et ça inclut, en prenant compte de l'inflation, une augmentation assez légère finalement par rapport à ce qui était présent
Sous Horizon 2020, on était autour de 80 milliards. Il est important de noter ici que, qu'une grande partie de cette enveloppe donc, est dédiée à ce pilier 2, où on retrouve les projets collaboratifs qui nous intéressent au premier plan aujourd'hui. Et que si vous vous rappelez la structure précédente, je me permets de revenir, dans le pilier 2, on a une division en pôles des activités. Ces pôles ou clusters, ils sont au nombre de 6. Et celui qui nous concerne au premier plan aujourd'hui, c'est alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Ce n'est pas le titre le plus court ni le plus compréhensible, mais c'est celui qui nous concerne au premier plan. Et 8,9 milliards d'euros y sont alloués pour cette année, ce qui constitue également une hausse par rapport à ce qu'il y avait auparavant dans le défi 2 qui était lié aux thématiques food et agri, plus le défi des questions climatiques et environnementales. Voilà donc pour la vision d'ensemble. Je vais passer assez rapidement sur cette slide puisque en la revérifiant, je me suis rendu compte qu'il y avait des petites inexactitudes. On a pas mal de retard sur le lancement du calendrier cette année. Les appels Horizon Europe ont été officiellement ouverts pour cette première vague d'appels en juin. Donc, on s'attendait initialement, et ça avait été annoncé, une ouverture au 15 avril. Finalement, il y a eu pas mal de retard pour une variété de raisons, notamment les États associés, entre autres. Donc, l'ouverture des premiers appels, des appels de 2021, a été reportée à juin. Et leur dépôt, qui était initialement prévu en septembre, a été reporté à fin septembre, début octobre, avec un petit peu de variation selon les programmes de travail. Pour la partie basse du tableau, c'est comment nous nous organisons à INRAE, avec différents niveaux par rapport à l'accompagnement qui est offert via INRAE Transfert et aux formations que l'ADES propose. Ce qui est important de retenir sur la timeline, c'est qu'en 2021, étant donné qu'il y a un retard de calendrier, que le lancement, la publication des actes juridiques du nouveau programme, en première année de programme, on a toujours un peu de retard, cette année, on a des appels uniquement en une étape. Donc il s'agit de rendre tout le dossier en une étape en octobre. Ensuite, on va reprendre en 2022 le rythme habituel des deux étapes. Donc, première étape à rendre au printemps, deuxième étape à l'automne. Et je me rends compte que je suis bien en retard. Les attentes de la Commission européenne, ce sont les mêmes. Juste retenez trois grosses choses qui continuent à progresser. L'approche multi-acteurs et l'implication, la co-construction, l'implication de tout type d'acteurs. L'ouverture de la science, open science, open data, c'était déjà la règle, mais ça allait plus que jamais. Et des appels qui demandent toujours plus d'impliquer le secteur privé, d'assurer de l'impact, de l'innovation et d'arriver à des TRL toujours un petit peu plus élevés. La structuration du programme de travail, donc je vous ai décrit les différents clusters. Maintenant, la nouvelle subdivision de chaque cluster se fait en destination. On est bien dans du jargon européen. Et donc, au sein du cluster 6, on va retrouver 6 destinations qui sont présentes ici. Biodiversité, Farm to Fork sur les systèmes alimentaires, Cirque Bio sur l'économie circulaire, les solutions bioéconomie, zéro pollution, communities et gouvernance. Et je me rends compte qu'on est beaucoup, beaucoup en retard. Je ne sais pas, Christine, si tu... Ouais, alors on va essayer aussi, d'aller très très vite. bon, on va pas rentrer dans le détail, mais comme Guillaume vous l'a dit, si on regarde un petit peu le contenu de ces appels au mois 2021-2022 dans le cluster 6, ce qui ressort en premier, c'est vraiment les objectifs de durabilité, y compris pour tout ce qui concerne agri-agro. La suivante, allez, on passe très vite. Et par contre, la deuxième caractéristique, hein, je vous laisse lire l'introduction du cluster 6 qui est tout à fait passionnante, on part maintenant sur une approche vraiment impact et multi-acteur, comme l'a dit Guillaume. Ça sous-entend une transformation des systèmes alimentaires à tous les niveaux, du local au global.
Avec des priorités nutrition, santé, sécurité alimentaire, climat et circularité qui sont vraiment affirmées. Alors, quand on regarde plus dans le détail, on trouve des petits extraits comme celui que vous avez en bas de la diapositive, hein, où on parle toujours de food safety, traceability, fighting food fraud. Le problème de la fraude est quelque chose qui revient de façon assez marquante dans les appels 2021-2022. Donc là, je vous laisse voir s'il y a des opportunités. La suivante, Guillaume, merci. C'est bon. Déjà ? Oui, bon. Si on regarde un autre chapitre de ce cluster 6, qui est la bioéconomie et l'économie circulaire, qui concerne, alors là, un peu moins agri-agro, mais tout ce qui est flux de matière à des échelles territoriales et sectorielles, avec des secteurs qui vont, tout ce qui est vraiment industriel, textile, électronique, plastique, matériaux, mais on parle de plus en plus de tout ce qui est gestion, enfin réduction bien sûr des déchets, recyclage, etc., ce qui sous-entend bien évidemment caractérisation soit des matières premières, soit des produits. Donc pareil, là si on se base sur ce qui a été financé précédemment par la Commission européenne, il y a peut-être et sûrement des choses à faire. La suivante. Alors, quelques exemples de topics, enfin, d'appels, hein, 2021-2022 qui pourraient peut-être vous parler. Le topic Farm to Fork 01 2017 sur la transparence dans les systèmes alimentaires, avec, quand on parle de safety of product processes and diets, il y a bien évidemment sous-entendu une caractérisation des produits qui est très importante. Le topic 01-04 Farm to Fork toujours qui porte là sur la détection, sur la caractérisation des produits en vue de la labellisation, hein, IGP ou AOC, et comment voir les copies. Le Farm to Fork 01-011 qui ressemble beaucoup mais qui se différencie un petit peu, où on revoit des questions qui étaient à la mode il y a quelques années sur l'authenticité et la traçabilité dans les systèmes alimentaires. Donc là aussi, pour assurer la traçabilité, il faut également des moyens d'études et de caractérisation. Dans un autre domaine où on est plus, on en est sur la réduction des pertes et gaspillages, où là aussi il y a des questions de caractérisation qui reviennent, et la gestion des déchets qui pourrait aussi être expliquée. La suivante, Guillaume. Je pense qu'on peut passer très vite. Voilà, si vous voulez vous y retrouver vous-même, Guillaume va expliquer comment faire. Donc voilà, ça c'est je vous laisserai explorer les slides, mais une référence aux documents qui sont disponibles, là où les trouver, et les documents de fond, notamment ce plan stratégique 2021-2024, qui donne les grandes orientations et qui structure autour de quatre objectifs qui sont décrits ici. L'orientation stratégique qui est donnée au programme et dans lequel il faudra inscrire ses propositions. Je passe encore une fois très rapidement pour qu'on finisse. Rapide. Juste pour vous dire, donc ça c'est des captures d'écran de ce que vous pouvez retrouver sur Cordis. On vous mettra les slides à disposition. Vous avez ensuite des slides sur l'approche multi-acteur qui explique un peu ce que l'on retrouve derrière. C'est un concept qui était au début dans Agri-Agro, qui est en train de s'étendre à l'ensemble des thématiques de ce cluster 6, qui structure la manière dont on doit intégrer tous les acteurs dans les projets européens. Donc les slides l'expliquent en détail, et avant d'ouvrir peut-être aux questions, je pense que cette slide de clôture de Christine vaut sûrement le coup. Voilà. On avait préparé un super enchaînement sur le multi-acteurs, les opportunités des réseaux. Bon. on voudrait juste conclure sur une autre opportunité que représente Heliospire en tant que réseau scientifique. Alors justement pour la démarche multi-acteurs, parce que vous rassemblez d'une certaine façon pas mal d'acteurs différents dans un secteur de recherche et d'innovation assez ciblé. Alors évidemment il y a majoritairement des académiques, mais qui sont quand même d'horizons différents, mais il y a également d'autres structures de recherche qui ont des autres objectifs. Donc, madame, elle,
Oui, pour la réponse aux appels, c'est donc une opportunité pour constituer un consortium assez facilement, avec évidemment l'ennui qu'on ne peut pas mettre tout le monde. Et c'est aussi une grosse opportunité en tant que force de lobbying pour faire passer des idées de recherche pour les prochains appels. Voilà, désolé pour d'avoir dépassé le temps. Merci pour cette présentation. Effectivement, on la mettra sur le site web d'Héliospire. Donc, on n'a pas forcément eu de questions dans le chat. Je ne sais pas si Fratène ou... Non, j'en ai pas eu de mon côté. Peut-être en poser une alors, en Oui, direct? oui, En bien direct, sûr. est-ce que Héliospire peut revenir vers vous avec des thématiques particulières que l'on désirait développer pour voir si vous pouvez nous aider pour s'y retrouver, je dirais, Oh, mais dans les ce sera un plaisir. centaines ou les milliers de pages d'appels? Mais d'un autre côté, on n'est pas hégémonique. Et donc, bon, pour l'INRAE et Guillaume et moi, on peut être des bons contacts. Mais il y a aussi toutes les directions européennes, des autres instituts et des partenaires. Hein, mais sans Oui. souci, on sera ravis de continuer la discussion. Il y a une organisation au niveau national avec des groupes thématiques nationaux, des points de contact nationaux qu'il ne faut pas hésiter à solliciter également. Mais on peut. Mais ça, les NCP fonctionnent, National Contact Point, ça fonctionne très bien. Mais ici, comme vous avez fait une analyse spécifique au niveau NIRS et tout, ce serait intéressant de pouvoir Ouais, revenir vers vous. c'est quelque chose qui est important pour l'INRA, hein, donc oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que je comprends de votre présentation qu'un réseau qui est comme Héliospire, qui est une association, peut devenir un partenaire en tant que tel de ces projets? Alors, une association, oui, c'est une entité juridique. Sinon, ça peut être porté par un des membres du réseau, Oui. hein, au nom de tous les autres qui seraient partenaires. Enfin, tous les cas de figure peuvent être envisagés. D'accord. Et donc, est-ce que vous allez pour l'INRAE et donc voir éventuellement pour Héliospire détecter des appels d'offres dans lesquels il y aurait plus spécifiquement instrumentation, proche infrarouge, etc.? Ah bah ça peut on peut pousser l'analyse un peu plus loin avec quelques scientifiques du département Transform qui seront sûrement me conseiller parce que je suis pas spécialiste mais ça peut être aussi oui, on peut tout à fait discuter de comment que peut-on proposer quoi en fonction des appels et aussi si vous avez vous des initiatives de recherche que vous aimeriez porter comment on peut les faire passer dans les appels 2023-2024. D'accord, très bien. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on reviendra vers vous dans le futur avec.